Salut famille, vous voyez la photo qui se tient devant nous. Ok, cette dame, cette vieille mère de la trentaine, fait une déclaration où elle affirme être la mère de Franck ici. Elle affirme, elle a fait cette sortie il y a récemment sur une radio où elle avoue être la mère de Franck ici. Jusque-là, les informations n'ont pas été avérées, mais cette déclaration continue de faire polémique. Récemment, elle a fait une sortie sur une radio où elle avouait être la mère de l'international footballeur Franck ici. Vous voyez les deux jeunes frères qui sont auprès d'elle. Elle affirme aussi que ses frères, ces deux hommes ont pour frère Franck ici. Bon, je vais vous lire la déclaration qu'elle vient de tenir. Bon, ici, on la décrit d'abord. Une femme libérienne prétend être la mère biologique Bassam, le terrain ivoirien Franck ici. Nancy Pine et deux jeunes hommes qui seraient les frères de la star de Barcelone et ivoirien Franck Yannick ici ont déclaré qu'ils étaient nés à Grand Guéder, Libéria. C'est une ville du Libéria frontalière avec la Côte d'Ivoire. Selon la dame, elle est dans un état d'inquiétude et souhaite retrouver son fils. Elle est à Paris à la radio avec ses autres frères, les autres frères de Franck ici. Bon, ce n'est pas avéré. Bon, on ne peut pas dire les autres frères de Franck ici. Selon elle, elle souhaite retrouver son fils et faire un test de l'ADN pour se rassurer et enfin lui réunir avec ses frères avant la fin de ses jours sur cette terre. Jusque-là, l'information circule depuis hier. Hier, le 9 mai. Aujourd'hui, c'est le 10 mai. Nous attendons peut-être que la star va communiquer là-dessus pour donner son point de vue. Mais pour l'instant, la question que beaucoup se posent, est-ce que Franck Kessié a sa mère qui vit ou il est orphelin sur ainsi? Parce qu'il ne peut pas avoir une mère et puis une autre mère va venir prétendre être la mère de la star. Là, c'est un peu compliqué. Bon, c'est l'information qui fait polémique actuellement sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi j'ai décidé d'en parler. Pour plus d'informations, je ferai tout mon possible pour redonner mon point de vue ou bien pour redonner ma version. Ok, merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner.